Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Mbote na biso bandeko ba imboka ba wazalendo biso nyonso toza ba wazalendo moyo wenu bonso banabetu tretu bonso tudi ba wazalendo mumakulua chi Saudi bionvijani banaba mwana jitunga ba imboka. Voilà, chers compatriotes, on alerte maximale. Paul Kagame est un grand menteur. Dans une interview par Jeune Afrique, il dit qu'il demande au M23 de cesser les combats. Mais voilà, aujourd'hui, la société civile de Nyiragongo, du territoire de Nyiragongo, alerte sur la traversée imminente et une traversée constatée déjà des réservistes de l'armée rwandaise sur notre territoire. Chers compatriotes, Kagame ne veut pas lâcher. Kagame alingi akufisa bandeko na ye nyonso tout. Akozanga ba militaire, akobanda kozwa bana mike. Awa toyoki deja ke abandi kozwa bana basi. Bon, monaki soki mwana mwasi moko ya 17 ans parmi les militaires rwandais capturés. Voilà, donc ça, c'est une alerte à prendre au sérieux. C'est la société civile du Nyiragongo qui le dit. Bon, nous allons parcourir le média ensemble. Alors, à côté de cela, nous allons tout simplement vous informer sur la disparition de Nemandarsemi. Nous a quittés à l'âge de 77 ans. Il paraît que il a souffert longtemps d'une maladie. Voilà, chers compatriotes, nous allons parcourir les deux sujets. Bande Konabiso, Paul Kagame s'entête toujours, il n'arrête pas de s'entêter. Alors, la société civile de Nyiragongo informe ce que nous voyons là. C'est le média Proconcept, media.com, qui le publie ce 18 octobre 2023. Le Rwanda déploie les réservistes de son armée pour appuyer le M23 au nord Kivu. Société civile. Donc, c'est une information à prendre au sérieux. Donc, Paul Kagame, c'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance. Il a dit à un journaliste de Jeune Afrique qu'il a interviewé que
Il demande au M23 d'arrêter, de cesser les combats, de cesser de se battre. Et voilà, aujourd'hui, la société civile alerte que il déploie les réservistes de son armée pour appuyer le M23 au Nord Kivu. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, il ne va pas lâcher. Non seulement il faudra le vaincre, vaincre le M23 et son armée RDF, il faudra trouver un moyen de pénétrer le territoire rwandais pour le mettre dehors, hein, et placer quelqu'un de favorable. Mais oui, pourquoi pas, il nous fait la guerre. Alors, la Société civile coordination territoriale de Nyiragongo alerte sur le déploiement ce mercredi 18 octobre 2023 de plusieurs militaires rwandais pour appuyer les terroristes du M23 qui font face depuis quelques jours au groupe d'autodéfense communément appelé Wazalendo, qui ne jure que par la libération de toutes les entités occupées par le Rwanda via le M23 au Nord Kivu. Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, qui l'a annoncé à nos confrères de Top Congo, renseigne que des éléments de l'armée rwandaise sont entrés en grand nombre ce mercredi au niveau de la zone Kabwanga. Prenons ça au sérieux, hein? Au sérieux, chers compatriotes. Il précise que les réservistes de l'armée rwandaise RDF ont été mobilisés pour appuyer les terroristes du M23. On a observé d'abord du renfort du côté de l'ennemi. On a observé l'entrée de deux jeeps au niveau de la frontière vers la RDC et ensuite on a observé des colonnes des militaires rwandais. Et enfin, cet autre jeep ont traversé vers la RDC, a-t-il dit. À lui d'ajouter, Goma reste sous menace, partant de ce que nous observons, en termes de renfort ou en termes des activités militaires. Même ce soir, il y a un camion fuseau qui vient de traverser en provenance de la RDC. Il est vide et nous pensons peut-être qu'il traverse pour prendre d'autres militaires rwandais. Le Rwanda a appelé même ses réservistes à venir combattre à son côté. Pendant qu'il s'observe une accalmie précaire sur les différentes lignes de front dans les territoires de Rutshuru et Masisi, des manifestations populaires exigeant le départ des troupes militaires de la communauté d'Afrique de l'Est et AC se multiplient. Alors, ce mercredi 18 octobre 2023, la police nationale congolaise a réprimé la manifestation pacifique initiée par le collectif des victimes de l'agression rwandaise. Ce n'est pas sérieux, ça? Ce n'est pas sérieux. Au contraire, la police devrait encourager cette manifestation. Chers compatriotes, on ne veut pas les voir. On veut même qu'ils partent immédiatement. C'est des traîtres. C'est des traîtres. Ils appuient les M23 RDF. Alors, quatre manifestants ont été interpellés lors de cette dispersion. Mais ce collectif ne jure que par le départ de l'EAC, qu'il qualifie de complice. Vous entendez? Qu'il qualifie de complice dans la guerre que subit la RDC
de la part du Rwanda via le M23. De son côté, le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression de Goma projette pour ce jeudi 19 octobre une autre manifestation visant également à déplorer les conditions dans lesquelles vivent les déplacés de guerre et exige le départ des troupes militaires de l'EAC. Voilà, c'est par le compatriote Elias Aungama à Goma, à partir de Goma. Voilà, chers compatriotes. Il s'agit donc d'un flash informatif, d'une alerte. Donc nous allons terminer par l'annonce du décès de Zachary Badiangila, plus connu sous l'appellation de Nemanda Nsemi. Voilà, chers compatriotes. En attendant, nous devons prendre très au sérieux les alertes de la société civile du territoire de Nyiragongo. Ils sont là, ils sont bien entrés. Ils ont vu même un véhicule qui retournait déjà vide pour aller chercher d'autres réservistes. Voilà, chers compatriotes, nous passons à Nemanda Nsemi. Et chers compatriotes, Nemanda Nsemi n'est plus. C'est une information que nous avons eue aujourd'hui. Il est décédé à l'âge de 77 ans ou 77 ans. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'image. Alors, le chef spirituel du groupe politico-religieux, Zachary Badiangila, plus connu sous le nom de Nemanda Nsemi, est décédé ce mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa. Alors, les informations en notre possession renseignent qu'il est décédé à Kinshasa de suite d'une maladie. Plusieurs sources indiquent que le député national honoraire Nemanda Nsemi était souffrant et hospitalisé dans une structure sanitaire dans la capitale avant qu'il ne tire sa révérence ce mercredi. Il est mort à l'âge de 77 ans. C'est la rédaction de ce média que nous sommes en train de lire ensemble. Alors, chers compatriotes, nous disons que son âme repose en paix. Requiescat in pace, R.I.P. RIP. Oui, que son âme repose en paix. Chers compatriotes, je reviens encore sur l'alerte de la société civile du Nyiragongo. Les motivations de Paul Kagame, c'est de pouvoir dialoguer, mais dialoguer. Pourquoi ? Il insiste. Bon, il insiste peut-être que aussi longtemps que les forces de l'EAC sont là, ils sont en train de piller nos minéraux. Donc j'ai vu sur HK Today des traîtres et des Kenyans qui auraient pillé de l'or pendant tout ce temps. Ils se sont rendus avec cet or pour acheter des armes. Ça veut dire que tant qu'ils sont là, dans les régions qu'ils occupent, ils sont en train de piller notre or. Est-ce la motivation de Paul Kagame de s'acharner? Mais c'est une guerre perdue à l'avance. Les Wazalendo, donc les patriotes, ils sont en train
de venir de partout. J'ai appris aujourd'hui qu'il y en a qui ont quitté Mambasa, la cité de Mambasa, en direction du territoire de Rutshuru, vers les zones occupées déjà par d'autres patriotes et des zones occupées par les forces de l'EAC. Il n'y a pas de dialogue. Les Wazalendo, donc les patriotes, ne jurent que pour le départ imminent, sans dialogue, des forces de l'East African Community, EAC. C'est des traîtres, des nilotiques qui sont en train de soutenir Paul Kagame. Bon, tant pis pour eux, ils vont se faire massacrer, hein. Vous ne pouvez pas venir occuper un territoire d'autrui et attendre que le peuple de ces territoires vous regarde comme ça, sans se défendre. Eh bien, ils sont en train de se défendre. C'est des réservistes. Voilà, chers compatriotes, nous allons terminer toujours en alertant que Paul Kagame est en train de renforcer les M23 avec les réservistes. Bokeba, Tokeba, Tofungolamisu. Les patriotes Wazalendo venaient de partout, même de toutes les provinces, pour vaincre l'ennemi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et tu